Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais tout simplement vous montrer comment baiser des femmes. Non je déconne, c'est trop hardcore ça en plus. Oh là là, on va se calmer toxique. Oui pardon, j'ai exprès David, c'est parce que ce matin je me suis réveillé, je suis sorti de la radio. Ouais, voilà, là, il est sorti de la radio. Tu te rends pas compte ou quoi de ce que c'est là? Eh mais eh, tu sais que Guillaume il vient des choristes en fait hein. Sergent Toxique il était caché dans les choristes derrière Gérard Junio. Tu te souviens dans ce film là, c'est le moment où il est sorti et qu'il était tout content avec des petites lampes dans les mains et il hurlait We are the champion. Je vous ai embrouillé complètement du début à la fin. Mesdames et messieurs, sérieusement, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va pour le mieux. J'ai encore la voix qui est comme ça. J'ai pas la voix normale là, franchement. Je sais pas ce que j'ai depuis une ou deux semaines, mais ça veut pas revenir normalement. Et ça commence sérieusement à me péter les couilles. Voilà, en toute honnêteté, en toute franchise. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon Twitch. Donc, Twitch Sergent Toxique. Donc, je vais bientôt commencer à vous faire des lives, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. À mon anniversaire, je devrais normalement peut-être avoir un nouvel écran. Et ce qui me permettrait, de toute façon, je vais mettre de l'argent de côté pour... Et ce qui me permettrait de pouvoir avoir un double écran. Donc l'avantage c'est de pouvoir avoir un côté 100% commentaires et un côté gaming. Donc comme ça je pourrais répondre à tous vos commentaires, toutes vos questions que vous aurez à me poser sur, je sais pas, mais sur ce que c'est que d'être youtubeur, sur mes ressentis, sur comment évoluer, sur tananinana, plein de questions autant que vous voulez. On sera vraiment ensemble, on pourra parler de tout et de rien. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir les commencer. Donc vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un qui m'avait fait cette petite, je sais plus qui c'est, même là vous pouvez cliquer, vous avez mes différents liens. Donc ma page Twitch est prête tout simplement. Donc c'est pas une super, c'est pas pro mais disons que ça passe quoi. J'ai pas, faudrait que je trouve un mec pro pour me faire tout ça. Donc je pense au mec qui a fait ma bannière sur ma chaîne et qui va d'ailleurs aussi me faire prochainement de nouveaux facecam pour pouvoir mettre mes facecam, pour intégrer mes facecam. Bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je vais avoir une nouvelle webcam. Je l'ai commandée récemment grâce à YouTube. Merci encore YouTube parce que sans vous je pourrais rien faire. Je cherche pas à le cacher hein, les gars. Moi l'argent que je gagne avec YouTube ça me permet de me payer du meilleur matos. Et exemple, je me suis acheté une webcam C920, donc une webcam utilisée, une Logitech C920 utilisée par beaucoup de youtubeurs comme Galax, comme Akilu, etc. Et aussi, je me suis acheté NBA 2K15, donc je pourrais proposer des petites vidéos de basket pour parce que je sais que dans mes abonnés, il y en a qui aiment ça. Donc vous proposez une ou deux comme ça de temps en temps, en sachant que je suis super nul. Donc n'hésitez pas à me corriger quand je dis des choses qui sont mauvaises, car ça peut arriver. Voilà, je suis pas un youtubeur comme tout le monde, mais je veux dire, je suis pas... comment dirais-je ? Je suis pas un... comment trouver le mot exact? Bref, je sais pas. Donc vous voyez que pour être, c'est rouge, informé 2, c'est ça, mes lives, c'est ça, rejoins-moi, c'est ça, Sergent Toxique, c'est ça. Les couleurs, en fait, je les ai pris par rapport, j'ai demandé au mec qui me le fasse, les couleurs par rapport au truc, bref, voilà, ça donne bien, quoi. C'est pas pro, mais disons que ça va. Donc, je vais prochainement vous commencer à vous faire des lives, donc je vous invite, on est déjà à 6, alors que je l'ai même pas donné mon Twitch. Comment ça se fait que vous ayez réussi à le trouver? Je sais pas. Vous êtes des génies, les gars. Donc, vous pouvez me suivre gratuitement. Je fais payer absolument personne. Encore heureux, d'ailleurs. Je comprends pas les youtubeurs qui font payer ses abonnés alors qu'ils reçoivent déjà de l'argent de YouTube. Why the fucking white? Donc, bon, bref. J'espère en tous les cas que celle-là, ils vous feront bien plaisir. Donc, il y en aura sur Twitch et sur YouTube, donc faudra bien être, vous serez bien informés. Les lives en plus sur PS4, j'ai rien besoin de régler, on peut les faire directement sur PS4. Donc je vous ferai des lives aussi sur WWE. Vous dites-moi si vous voulez du Call of, si vous voulez du WWE, si vous voulez du TA, si vous voulez, voilà, en fonction des lives, si vous voulez du Arma, il n'y a pas de problème. Je vous ferai un petit peu tout. Donc voilà, c'était vraiment pour vous informer, tout simplement. Le lien sera dans la description. Donc j'espère vraiment récupérer ma voix très prochainement parce que je vous avoue que j'ai pas mal de mal à m'exprimer même dans les vidéos. Je me sens pas normal en fait. Là j'ai l'impression d'avoir un second commentary. Pour ça peut-être dans mes vidéos récemment vous l'avez peut-être entendu que je commente peut-être un peu moins bien que d'habitude. C'est tout à fait normal, c'est ma voix et ça me saoule de faire des vidéos avec une voix comme ça. Donc je pense que ça se ressent. Moi quand j'ai un problème ça se ressent dans les vidéos, je vous le dis clairement. Donc les amis, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo informative vous aura bien plu. Je tiens quand même à vous préciser pour ceux que ça intéresse. Donc déjà mon fond d'écran, je tenais à remercier Viper, mon ancienne bannière, souvenez-vous, attendez, c'est celle-là, je vais essayer de vous la montrer, c'est lui qui me l'a fait, donc Viper pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est attendez, Ah oui, mais c'est vrai qu'il me l'a fait en... Il me l'a fait en bannière aussi, ce fond d'écran. J'avais complètement oublié. Ah, j'avais complètement oublié. C'est... Oh putain, elle date. Oh lolololo. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Qui se souvient parmi vous? S'il y en a qui se souviennent de cette bannière, vous êtes des ouf. Celle-là aussi, celle-là, je l'ai utilisée un tout petit peu un temps. Attendez, cherche une bannière en particulier. Faut que je la trouve, Je sais plus dans quel dossier je l'ai placée. Putain, c'est vraiment le bordel. Hein. C'est vraiment le bordel. Ah, voilà, c'est celle-là. Pour ceux qui se souviennent de cette bannière, donc elle date déjà pas si longtemps que ça. Elle est classe, celle-là. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et voilà, Viper, tout simplement pour vous dire que c'est lui qui m'a fait le fond d'écran. Donc, je le remercie encore beaucoup. Donc là, j'ai... Bah, attends, celle-là, j'allais uploader, c'est bon. Ah merde, c'est vrai, il y a le bug là. J'ai celle-là à vous uploader encore, j'ai celle-là qui est prête, celle-là c'est une solo. Donc je vous en dis pas plus, c'est vraiment une super vidéo celle-là. Et bah ce match aussi il était pas mal, bon, c'est vrai que la fin, bon bref, je vais pas vous spoil. Donc voilà, cette vidéo arrive bientôt. Je vous prépare plein d'autres vidéos. Comme à mon habitude, je kiffe toujours autant en faire. Faut savoir que des fois je tourne des vidéos 3 à 4 les dimanches. Et à un moment donné, des fois je me rends compte que quand je tourne 2-3 vidéos comme ça d'affilée, tu perds un peu les vannes. Donc j'ai remarqué qu'on tourne juste une vidéo comme ça, genre une tous les jours ou une tous les 2 jours, ça nous permet d'être vraiment frais. Et moi le truc c'est que j'ai pas vraiment le temps. Le problème en fait c'est quoi? C'est que je vais vous proposer un max de contenu. Et le problème c'est que j'ai pas vraiment le temps de le faire en semaine, vu que je travaille, vu que j'ai mes occupations, je vois des amis, je fais des petits foot et tout. Voilà, je consacre vraiment tous les dimanches, et pendant les vacances j'essaye aussi de m'organiser à ce niveau-là. Mais tous les dimanches je tourne le matin, 3 à 4 à 5 vidéos le matin. Et les après-midi j'en fais les montages et je prends mon temps pour faire les montages. Sachant qu'il y a le logo à mettre, surtout quand j'ai 4-5 vidéos à faire, ça prend du temps, le montage, le rendu, faire les miniatures, après redémarrer, remettre l'intro, bref ça prend généralement au moins plus d'1h30, 2 heures. Donc voilà, je prends mon après-midi tranquillement où je mange un petit peu en même temps, je regarde un film et tout en même temps. Voilà, les dimanches, c'est vraiment le dimanche tournage, montage. Donc voilà, c'est vraiment un kiff pour moi de vous faire autant de vidéos comme ça. Alors je cherche pas à vous faire des vidéos, je pourrais vous faire des vidéos si je voudrais un peu complexe, hein, un petit peu avec du beau montage et tout. Mais moi j'aime bien balancer la vidéo originale. Parce que je sais pas pour vous, mais moi je trouve pour un gamer, ok, autant je veux bien pour une vidéo de 9-10 minutes, pour des mecs qui font des podcasts et tout, mais pour les gamers, c'est autre chose, c'est un autre style de vidéo, un autre style de vidéo à, ouais, c'est ça, à proposer tout simplement. Et moi je me dis dans ma tête, j'ai pas envie de faire de montage, pourquoi? Parce que je préfère laisser la vidéo à l'original, je préfère vous balancer une vidéo de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, parce que voilà, c'est justement dans ces moments-là qu'on se rend compte que les vrais youtubeurs ils restent jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire? Ils font vraiment du contenu qui dure longtemps, où on peut bien rigoler, on partage vraiment de bons moments ensemble. Et moi c'est ce que j'aime en fait dans ça, et j'ai pas envie de changer de style. Je pourrais faire des hashtags etc, c'est pas ça le souci, mais moi je veux vraiment rester quelqu'un de soft. Je vais pas chercher à aller trop loin, même si des fois je vous avoue que dans des petits montages j'aime bien faire des petits changements par-ci par-là, il m'est arrivé des petites périodes comme ça. Mais voilà, moi j'aime bien diversifier tout en restant soft. Après... Par exemple dans mes vidéos, bah, je vais pas vous la montrer, mais tout simplement les logos que je mets dans mes matchs, c'est tout simplement une marque de fabrique, c'est ma marque de fabrique, le ST qui est en haut à droite qui tourne dans tous les sens et tout. Dans tous mes matchs depuis 2K14, en sachant que dans 2K14 je suis monté à plus de 150 vidéos abonnés, et là bah, avec les 2K15, bah, sachant que, regardez, attendez je vous montre un truc vite fait, regardez tous les matchs que j'ai à faire, j'en suis à où les gars? Alors attendez, on va regarder ça ensemble, vous savez quoi, on va regarder ça ensemble, en sachant qu'il y en a énormément que j'ai pas noté, mais je les noterai tout simplement au fil du temps. Rey Mysterio, Zayn, Neville, Kingston Harper, donc c'est en Hell in a Cell. Attendez, je vais le retrouver. J'en suis à... non, je l'ai pas fait celui-là encore. J'en suis en haut, j'en suis en haut. J'en suis à là. Exactement, regardez. Neville, Mysterio, Sami Zayn, Kofi, machin, et regardez. Neville, Kofi, ouais voilà, c'est ça, exactement. J'en suis à là. Vous voyez tous les matchs que j'ai à faire de là. Tchou. Et encore, il y en a plein. Là, il n'y a rien. Là, je vous le dis franchement, il n'y a rien, Depuis, j'en ai reçu plein. Mais il y en a plein que j'ai noté. Pourquoi? Tout simplement parce que j'attends d'en faire, de bien compléter la liste avant d'en reprendre énormément. Là, il faut savoir qu'il y en a plus de 100 déjà. Il y en a plus de 100, j'avais compté une fois. Il y en a plus de 100, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait déjà 10 là. Ah non, ça fait 8. Oh, attends, je compte mal. Si en plus je compte mal. 7, 8. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà là, ça fait 10. Ok. 10, 12, 14, 16, 18, ou putain, 20. Déjà, ça fait 20, juste ça. Juste tout ça, ça fait 20. Donc, ouais, il y en a plus de 100, c'est sûr. Donc, bon, bref. De toute façon, vos matchs, je les vois. Donc après, il suffit juste que je retourne les vidéos et les notes, tout simplement. Donc j'attends vraiment de compléter un peu ma liste. Donc si vous voulez me proposer des matchs, allez-y, n'hésitez pas. Mais voilà, moi j'attends de bien finir ma liste avant de reprendre un petit peu tout. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo informative vous aura bien plu. Prenez bien soin de vous, à la prochaine, salut tout le monde. Peace. Ah oui, j'oubliais juste un petit truc, une petite information supplémentaire. Donc dans la vidéo, je vous ai dit que j'aurai un petit truc... pour ceux que ça intéresserait, un petit truc à vous proposer pour ceux que ça intéresserait, gratuitement bien sûr. Alors j'ai, vous voyez, plein de facecam. Bon, cela je peux vous le donner vu qu'il y a mon nom, regardez bien. Et voilà, c'était facecam que des youtubeurs ont pu me faire jusqu'à maintenant. Donc voilà, moi ce que j'aurais à vous proposer comme facecam, c'est tout simplement celui-là, celui-là ou celui-là, donc ce qui permet de mettre votre facecam dedans, donc c'est pour faire un petit cadre un peu classe, puis voilà, puis au moins s'il y a un fond dedans, c'est voilà, en fonction de vos, comment on appelle ça, de vos dimensions d'écran, que vous pouvez tout simplement modifier dedans. Ça veut dire si votre facecam est trop petit, vous pouvez quand même le mettre, hein, s'il est trop gros. Ça évite de voir du transparent derrière. Voilà, bref, c'est pour donner un petit truc, on va dire, classe. Puis ça permet aussi de ne pas prendre la tête pour placer votre facecam dedans. Donc vous voyez qu'il y a rouge, bleu ou jaune. Donc voilà, à vous de me dire lequel des trois vous plaît le plus. Je vous les envoie, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez votre mail ou tout comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà, voilà.